Au nom de Jésus, nous prions, Père, nous te remercions parce que les cieux sont ouverts. Merci parce que les averses descendent. Merci parce que les bénédictions sont inépuisables. Et nous prions, Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur tout ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que personne ne parte de ce lieu les mains vides au nom de Jésus. Chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, chaque jeune, Seigneur, je prie que les averses de bénédiction descendent sur chacun au nom de Jésus. Manifeste-toi à chacun, révèle ta pensée à chacun. Et nous prions, Seigneur, qu'aucun ne demeure le même à jamais au nom de Jésus. Montre-nous ta voix, montre-nous ta volonté, révèle-nous ta parole. Et à travers la puissance qui vient par la parole, fais-nous avancer et que nous allons de l'avant au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. 35, le verset 8 d'Ésaïe. Il y aura là un chemin frayé. Nous parlons de l'autoroute du roi pour un avenir glorieux. On dit ici, un chemin sera frayé. Chapitre 40. Chapitre 40. Lisons ici le verset 3. Une voix crie. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. L'autoroute du roi pour un avenir glorieux. Voyons Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe au chapitre 62. L'autoroute. En considérant le chapitre 62 d'Ésaïe, nous y lisons le verset 10. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Alors nous parlons de l'autoroute du roi pour un avenir glorieux. Et je reviens maintenant en Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Voyons pas du verset 1er. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Il n'y aura plus de désert dans ta vie. Il n'y aura plus de désert dans ta vie. Il n'y aura plus de solitude dans ta vie. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Le Seigneur me dit de te dire de prendre courage et de ne pas craindre. Prends courage et ne crains point. Et il dit, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Et les oreilles s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nul bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur, nous aurons la joie.
la douleur et les gémissements s'enfuiront. L'autoroute du roi pour un avenir glorieux. Ésaïe chapitre 40. Chapitre 40 d'Ésaïe verset 3. On dit une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les dans ta vie, tout ce qui est coteau sera rendu plaine au nom de Jésus. Et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Chacun, nous verrons la gloire de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 62, verset 10. 62, verset 10. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Élevez une bannière pour les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Le Seigneur nous montre qu'il a une route, une autoroute, une route du roi lui-même. Et c'est l'autoroute qui conduit à un avenir glorieux. Il nous a fait des promesses sur cette autoroute. Il nous a donné des provisions sur cette autoroute. Et il nous a également dit qui sont les participants et qui pourront avoir la possession de cette autoroute. Les promesses, les provisions. Alors, il est la possession de ces choses sur l'autoroute pour toi et pour moi. Trois points que nous considérons. Premièrement, la promesse de Christ d'un avenir glorieux. La promesse de Christ d'un avenir glorieux. La promesse de Christ d'un avenir glorieux. Deuxième point, la provision complète pour notre fécondité. La provision complète, tu l'auras, je l'aurai, nous l'aurons tous et nous en jouirons au nom de Jésus. La provision complète pour notre fécondité glorieuse. Troisième point. C'est les participants courageux de sa pleine, de sa plénitude glorieuse. Le Seigneur nous a fait des promesses. Toutes les promesses de l'Éternel pour toi, pour moi, pour l'Église, pour chacun sera accompli au nom de Jésus. Il faut d'abord l'abondance dans votre vie au nom de Jésus. Luc au chapitre 12. Les versets 6 et 7. Luc 12, 6 et 7. La promesse de Christ d'un avenir glorieux. Luc 12, 6 et 7. Dieu ne va pas t'oublier. Et Dieu ne va pas t'oublier. Il se souviendra de toi, de tout ce que tu fais, de tes larmes, de tout ce que tu endures, que tu demandes. Ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Votre vie a plus de valeur aux yeux de Dieu. Et vous verrez cette année combien est valeureux vous êtes aux yeux de l'Éternel. Il y aura la protection maximum et totale pour chacun de nous au nom de Jésus. Verset 28. On dit si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtera-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Il n'y a aucun nombre de doutes dans nos cœurs. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Il te fera du bien au nom de Jésus. Verset 30. Quand toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent.
votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et il nous donnera au nom de Jésus. Jean, au chapitre 14, la promesse de Christ d'un avenir glorieux. Jean, au chapitre 14, lisons le verset 13. Voici la promesse qui ne peut faillir. Voici ce dont nous avons besoin. Voici tout ce qu'il nous faut. Il n'y a rien d'autre. Jean, au chapitre 14, lisons le verset 13. On dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quelle que soit la chose pour votre vie spirituelle, quelle que soit la chose pour votre vie professionnelle, quelle que soit la chose pour votre vie familiale, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 27. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Plus de peur, plus d'anxiété, plus d'anxiété, plus de panique. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il n'y a plus de peur pour nous au nom de Jésus. Pas de panique pour nous au nom de Jésus. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Psaume 37, verset 3. Vous allez habiter dans ce pays. Personne ne te chassera de ton héritage au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure. Personne ne t'arrachera ta famille au nom de Jésus. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de tes délices. Prends plaisir à la parole de Dieu. Prends plaisir à la voix de l'Éternel. Prends plaisir à la volonté de l'Éternel. Cherche sa parole. Sonde sa parole. Parce que celui de la lune, c'est là un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est afin d'observer, de pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, alors tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. La voie du succès, c'est la voie de l'obéissance. Lis la parole, apprends la parole, connais la parole, applique la parole à ta vie et crois à la parole, tous les préceptes, toutes les promesses, crois à la parole et vis par cette parole et tu vas réussir au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices. Comment faire de l'Éternel tes délices? Si tu ne prends pas plaisir à la parole de quelqu'un, tu ne prends pas plaisir en lui. Mais quand tu prends plaisir à sa parole, tu prends plaisir à sa voix, tu prends plaisir à sa volonté, ça c'est fait de tes délices. Et quand tu le fais, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Donne-moi grand amen. Les désirs de ton cœur, les désirs, ce sont les choses que nous exprimons dans la prière, ce sont les choses que nous disons au sein de la prière, c'est ce que je désire, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, et c'est ce que je demande. Et parce que tu fais de l'Éternel tes délices, il dit, tu donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Verset 11. Les misérables possèdent le pays. Qui est l'humilité dans ta ville? Les misérables possèdent le pays. Ceux qui sont doux, tendres, aimables, compatissants. Est-ce qu'on procure la paix dans ta vie? Parce que les débonnaires héritent, possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. Verset 34. Il nous dit dans le verset 34. Espère en l'Éternel. Garde sa voix et espère l'Éternel, garde sa voix et t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Tu verras les méchants comment retranchés.
Verset 37, observe celui qui est intègre. Observe celui qui est intègre. Qui est l'homme intègre? Celui qui est né de nouveau. Celui qui est enfant de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu dans sa vie. Et dit, je vis une minute. Ce n'est pas difficile de vivre dans l'intégrité. Je suis un homme intègre en une minute. Ce n'est pas difficile. Tu le fais pendant une minute, en 10 minutes. Je vais vivre pendant 10 minutes. Je serai intègre, parfait. Je vais vivre dans une heure. Je vais mener vie parfaite pendant une heure. Un homme mature, un homme obéissant. Un homme qui suit le Seigneur, un homme dédié, consacré, décidé pour le Seigneur pendant une heure. Si je le fais pendant une heure, un jour, par moment, je serai donc cet homme, parce qu'il dit, observe celui qui est intègre, égale celui qui est droit, pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il vit selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Observe celui qui est intègre, verset 37, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de peu. De paix. Le résultat, c'est la paix. La paix, la prospérité. Et cela viendra dans ta vie au nom de Jésus. Verset 40. L'Éternel les secoue et les... L'Éternel le secoue. L'Éternel et te délivre. Il te délivre des méchants et te sauve. Parce qu'il cherche en... Parce que tu cherches en lui le refuge. Psaume 81. Lisons ici le verset 10. Psaume 81. 81 de Somme, verset 10. Quelque chose de bon t'arrivera. Et quelque chose de bon t'arrivera. Vois ceci, Somme 81, verset. Somme 81. Avant de vous le lire, vous savez parfois, pendant que nous prions, peut-être que tu as fermé les yeux, tu ne les vois pas. Certaines personnes, elles ferment leur bouche. Elles ferment leur bouche pendant que nous prions. Elles croisent les bras, elles sont debout là, elles regardent, elles ne disent rien du tout. Mais c'est une grande perte, c'est une grande perte. Parce que Psaume 81, verset 10. 81, 10. Quelque chose va arriver. Il dit quelque chose va arriver. Quand tu ouvriras cette bouche, et tu l'ouvriras grandement pour dire, Seigneur, me voici, j'ouvre ma bouche, et que toutes les bénédictions des cieux vont tomber dans ta bouche. Il va les envoyer dans ta vie. Elles vont descendre dans ta famille au nom de Jésus. Psaume 81, verset 11, lui second. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Dites-moi la suite là-bas. Dites-le à haute voix. Ou ta bouche. Et je la remplirai. Le Seigneur va remplir ta vie de bonnes choses au nom de Jésus. Voilà le verset 13, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Quand je leur ai dit d'ouvrir la bouche. Et je la remplirai. Oh, dame, dis-moi tes besoins. Parle-moi de tes problèmes. Parle-moi de tous les troubles du diable contre ta vie. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, parle-moi. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai les ennemis. Ouvre ta bouche et va confondre tes ennemis. Il va défaire tes ennemis. Il va conquérir tes ennemis. Alors je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment. Et je le rassasirai du miel du rocher. Ils ont été là, ils ont maillé la manne, parce que c'est toi, ils ont maillé la manne. Ils ont dit, ah, ça c'est la plus grande chose, c'est la chose la plus belle que le Seigneur a pour nous. Mais le Seigneur dit, s'ils avaient continué avec moi, voici ce que j'aurais fait. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Ils ont eu l'eau du rocher et ils pensaient que c'était tout. Attends, espère l'Éternel, il y a plus à venir et plus viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il dit ici, le miel du rocher, je le rassasirai. Ça vient. J'ai dit ça vient. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Ésaïe chapitre 53. Nous lisons ici le verset 4. Ésaïe 53, nous lisons le verset 4. Ça c'est merveilleux. Et c'est pour moi. J'ai dit ça c'est pour moi. J'ai dit ça c'est pour moi. Parce que certainement, c'est moi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs, il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Toutes tes douleurs, le Seigneur les a déjà portées. Toutes tes douleurs, il les a déjà portées.
toutes tes infirmités, le Seigneur les a déjà portées au nom de Jésus. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa maîtrise. Et c'est pas sa maîtrise. Et nous sommes guéris. Je suis guéri. Et tu es guéri. Et nous sommes tous guéris au nom de Jésus. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Plus d'iniquité sur ta vie, parce que toute iniquité, tout péché, toute transgression, tout mal, le Seigneur les a déjà portés. Et maintenant les a mis sur Jésus-Christ et les a portés dans la direction opposée. Et maintenant, ce ne sera plus pour toi, pour toujours, au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 54. Rappelez-vous, nous considérons la promesse de Christ pour d'un avenir glorieux. La promesse de Christ d'un avenir glorieux. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En Ézéchiel, au chapitre 36, la promesse de Christ d'un avenir glorieux. Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel 36, nous lisons ici le verset 9. Verset 9, il nous dit, en Ézéchiel 36, verset 9, il dit, voici, je vous serai favorable. Le Dieu tout peut être dit, il est pour toi. Le créateur des cieux et de la terre, il est pour toi. Le Père du Seigneur Jésus-Christ est pour toi. Et le gouverneur, le roi, le Seigneur, sur les anges, sur les hommes, sur les saints, myriade, il dit, je suis pour toi, je te suis favorable, et je retournerai vers vous, et vous serez cultivés en semencés. Et dit, verset 11, quelque chose de merveilleux, je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, et multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Vos larmes sont effacées, vos jours de tristesse sont passés, et les bénédictions de Dieu seront multipliées dans nos vies au nom de Jésus. Et la joie de l'Éternel, la joie éternelle, joie continuelle, joie durable sera dans ta vie au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a dit, je ne ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dans le verset 25, il dit, dans ce verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Votre conscience sera purifiée, ta pensée sera purifiée, tes habitudes seront purifiées, ta vie, ton caractère, ton style de vie, tout sera purifié aux yeux de l'Éternel au nom de Jésus. Le diable n'aura plus rien à t'accuser. Quand tu viendras en prière, le diable ne va pas dire et ceci et cela. Dieu merci, cette eau pure venant du trône de Dieu purifiera toute infimité et toute souillure de ta vie au nom de Jésus. Et dit, je vous purifierai toutes vos souillures, toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ai déjà un nouveau cœur. Je vous donnerai une nouvelle attitude, un nouveau cœur, une nouvelle disposition, une nouvelle voix, une nouvelle manière de réfléchir. Tout est nouveau dans ma vie et toi. Il dit à toi, un nouveau cœur, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, saturé par le Saint-Esprit. Il sera ton consolateur au nom de Jésus. Il sera celui qui va vaincre en toi et à travers toi au nom de Jésus. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Joël chapitre 2. La promesse de Christ d'un avenir glorieux. Joël chapitre 2.
Verset 21, Joël 2, 21. Il y a une restauration qui viendra dans ta vie. Il y a une restauration qui vient dans ta vie. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as raté, le Seigneur va te les restaurer au nom de Jésus. Ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Où est-ce que les grandes choses seront? Où et quand? Je ne vois pas. Grandes choses. C'est où? Grandes choses. Est-ce qu'il y a ça? C'est quelque part là-bas? Amen. Amen. Dans la journée, grande chose. Dans la nuit, grande chose. Dans notre église, grande chose. Dans ta famille, grande chose. Partout où tu iras, grande chose au nom de Jésus. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Restauration. J'ai dit restauration. Il va remplir ta vie au nom de Jésus. Je suis avec le Hazi, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Ils ne vont plus te poser la question, où est ton Dieu? Tu diras, mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Il m'a donné toute la bénédiction des cieux. Voici les résultats de mon Dieu. De ce que mon Dieu a fait. Vous mangerez, vous serez rassasiés, vous ne serez plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. D'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça vient. Je dis ça vient. Parce que l'Éternel n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Ses commandements ne sont pas changés. Les conditions n'ont pas changé. Les promesses n'ont pas changé. Les provisions n'ont pas changé. En Hébreux, au chapitre 13. Hébreux 13. Lisons là-bas le verset 5. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous ce que vous avez. Quand il a dit, je ne te délaisse point, je ne t'abandonnerai point. Alors nous pourrons dire avec assurance, l'Éternel est mon secours. Je ne craindrai point, que peut me faire un homme? Alors il continue en disant, dans le verset 8, Jésus-Christ, dites-moi la suite. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Apocalypse 3, 7, 8. Apocalypse 3, 7, 8. Écrit à l'an de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Car tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole et tu n'as pas régné mon nom. Il y a une porte ouverte devant toi là-bas. Les portes d'opportunité, les portes de privilège, les portes de grands devoirs, de grandes responsabilités. Et les portes de réalisation, les portes de succès et les portes de promotion, de progrès. Personne, aucun méchant ne pourra fermer cette porte devant toi au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, la provision complète pour notre fécondité glorieuse, la
provision complète pour notre fécondité glorieuse. Voyons Matthieu chapitre 6, verset 31. Matthieu chapitre 6, verset 31. Il nous dit dans le verset 31 du chapitre de Matthieu 6, la provision du Seigneur pour nous. Dans le verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, dit-il, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherche tout ce dont tu as besoin est connu par le Seigneur. Et parce que cela est connu du Seigneur, pendant que tu adores Dieu, le Seigneur va pourvoir tous tes besoins au nom de Jésus. Cherchez premièrement que Dieu soit premier dans ta vie, que sa parole soit primordiale dans ta vie, que sa volonté soit primordiale dans ta vie, que son adoration soit primordiale dans ta vie, que son œuvre soit primordiale dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous voyez, il y a plusieurs personnes, elles pensent que la manière d'être riche, d'être prospère, d'être vraiment élevé, c'est de mettre Dieu en dernière position et se mettre en première position eux-mêmes. Ils mettent leurs désirs en première position, ils mettent leurs objectifs en premier lieu, ils mettent leur réalisation en première position, leur famille en première position. Ils mettent leur désir, leur passion, ils mettent cela en première position, ils mettent Dieu en dernière position. Ils donnent à Dieu le temps qu'ils n'ont pas besoin. On ne devient pas riche de cette manière. On ne fait pas du progrès de cette manière. Pour d'autres, ils abandonnent l'adoration de Dieu. Parce que je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Nous ne progressons pas comme ça. Vous devez mettre l'œuvre de Dieu en premier, l'adoration de Dieu d'abord, la volonté de Dieu d'abord, la parole de Dieu d'abord. Vous devez mettre tout qui appartient à Dieu premièrement. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'addition, la multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Matthieu 21, 22. La provision complète pour notre fécondité glorieuse. Matthieu 21, verset 22. 21, 22. 21, 22. Voici la bénédiction du Seigneur. Voici la provision du Seigneur dans le verset 22. Il dit tout ce que tout le monde tout. Dites-moi tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qu'est-ce que tu recevras? Toutes choses. Marc 9, verset 23. Jésus l'a dit. Si tu peux, dites-moi la suite. Tout est possible à celui qui croit. Toutes choses. Jean 14. Le Seigneur nous a fait la provision et c'est la provision de toutes choses. Il n'y aura pas de manquement dans ta vie. Il n'y aura pas de limitation dans ta vie. En Jean 14. Nous lisons ici le verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, toutes choses, et vous rappellera quoi? Tout ce que je vous ai dit. Vous savez, de toutes choses il enseigne. Tout chose dans le rappel, tout chose dans la provision, tout chose dans la substance, tout chose dans les bénitions, tout chose partout, c'est toute chose. Et pourvoira au nom de Jésus. Le Seigneur préservera ta vie. Le Seigneur te gardera vivant. Et si Jésus tarde à venir, dès que nous reviendrons, encore, tu seras encore vivant en décembre. Combien seront vivants jusqu'en décembre? Vivant et bien supportant. Vivant et bien portant. Et l'assurance sera ta foi pour t'élever au nom de Jésus. Romains 8, verset 32. Celui qui n'a pas épargné son propre-fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, dites-moi, toutes choses. Et ce sera fait au nom de Jésus. 1 Corinthiens au chapitre 2, 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Tu les as. Chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Prends le personnel, tout est à moi. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Tout. 2 Corinthiens chapitre 9, 8. Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donnez ma grande main. Regardez ce verset très bien. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Oh, quelle promesse glorieuse et provision. Et ce c'est pour toi cette année au nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. Selon que ça promette la divine providence, ça donne toutes choses. Ça c'est tout. Vous savez, de Matthieu, nous lisons tous. Et dit toutes choses. Et il dit maintenant, toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, lesquels nous assurent de sa part, 2 Pierre 1, 3 à 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que vous, par elles, vous devenez participants de la vie et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'ai commencé de Matthieu et nous avons vu toutes choses. Maintenant, nous sommes allés jusqu'aux épîtres. Nous avons vu toutes choses. Allons, voyons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Et je lis ici le verset 5. Chapitre 21 d'Apocalypse, le verset 5. 21, verset 5 d'Apocalypse. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et me dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et me dit, c'est fait. Dans ma vie, c'est fait. Dans ta vie, c'est fait. Dans ta famille, c'est fait. Dans notre église, c'est fait. Et je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Comment? Gratuitement. Celui qui... Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Toutes choses sont prêtes pour toi. Luc 14, verset 17. Cette année, c'est une année de toutes choses. Plus de manquements, plus de pertes, plus de limitations. Répète-le. Plus de manquements, plus de pertes, plus de limitations. Dans ta vie, répète-le. Dans ton service, dans ta famille, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, au nom de Jésus. Luc 14, 17. À l'heure du souper, l'envoyé son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. Premièrement, le salut, la sanctification, tout est déjà prêt. La restauration et le renouvellement, tout est déjà prêt.
La bénédiction et la percée, tout est déjà prêt. La guérison et la santé, tout est déjà prêt. La délivrance et la domination, tout est déjà prêt. Le succès et la sécurité, tout est déjà prêt. La liberté et la fécondité, tout est déjà prêt. La puissance et la pureté, tout est déjà prêt. La promotion et le progrès, tout est déjà prêt. La prospérité et la protection, tout est déjà prêt. La vie, le partenaire de vie et la paix durable, tout est déjà prêt. La baptême dans le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit, tout est déjà prêt. Tout ce que vous demanderez pour tout le monde, tout est déjà prêt. Acclamez très fort le Seigneur, c'est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Et prêt pour toi au nom de Jésus. Troisième point, les participants courageux à sa plénitude glorieuse. Qui sont les participants courageux de sa plénitude glorieuse? Je vous le dirai, qui sont les participants glorieux et courageux? Jean 10, les participants courageux, Jean 10, voici ce qu'il déclare. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux vous annoncer que Christ est venu dans ta vie. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Christ est venu dans ta vie afin que tu aies la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et tu l'auras au nom de Jésus. Psaume 16. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Et il y aura la provision, le plaisir, la prospérité pour toi au nom de Jésus. Alors ensuite, dans Romains, en Romains 15, 29. Romains 15. 29. La plénitude des bénédictions de Dieu. Romains chapitre 15, 29. Dans le verset 29 du chapitre 15. Je sais, dis je sais, répète-le. Vous savez, certaines personnes disent je suis sûr, comme si elles ne sont pas, elles ne savent pas. Dis je sais, qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Quand je viens, je viendrai dans la plénitude des bénédictions de Christ. Ces gens, qui arrivent à le dire? Comment nous les connaissons? Comment est-ce que nous les reconnaissons? Ce sont des gens qui savent qui ils sont. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils ont. Ce sont des gens qui savent ce que Dieu a dit les concernant. Et je veux que vous parcourez. Il y a cette chose, la confession que vous devez faire, votre affirmation constante. Vous réveillez le matin. Faites des affirmations, faites des déclarations, faites des confessions et dites-le avec confiance. Premièrement, je suis tout ce qui dit que je suis. Je suis tout ce qui dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Je ne suis pas ce que mes voisins disent que je suis. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. C'est ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. 1 Corinthiens 15, lisons ici le verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis ce que je suis. Tu dois dire premièrement, je suis tout ce qu'il dit que je suis. Il dit, je suis son ami et je le suis. Il dit, je suis son disciple et je le suis. Il dit, je suis un héritier de Christ. Je le suis. Il dit, je suis un co-héritier de Dieu. Ainsi, je le suis. Il dit, je suis son temple, le Saint-Temple de Dieu. Je le suis. Il dit, je suis un vase élu. Un vase élu. Je suis, j'ai d'honneur. Un vase d'honneur. Alors, je le suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. Deuxièmement, j'ai tout ce qu'il m'a donné. J'ai
tout ce qu'il m'a donné. Vous savez, je ne me promène pas, je n'ai rien. Non, il m'a donné quelque chose. Il m'a donné le salut, j'ai ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la sanctification, j'ai ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la puissance du baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. J'ai ce qu'il m'a donné. Il m'a donné les clés du royaume. Et j'ai ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la puissance, voyez-vous, dans le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'ai ce qu'il m'a donné. J'ai la vie éternelle. Il l'a dit, voici la vie éternelle, pour qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu. J'ai ce qu'il m'a donné. J'ai la sagesse, parce qu'il a dit, je vous donne une bouche, je vous donne la sagesse, que vos ennemis ne puissent résister. J'ai le Saint-Esprit. Il m'a donné le Saint-Esprit. Il dit, recevez l'Esprit. J'ai tout ce qu'il m'a donné. Il dit, il nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. Alors par conséquent, j'ai tout ce qu'il m'a donné. Troisièmement, je crois à toutes ces promesses pour moi. Je crois à toutes ces promesses pour moi. Je crois à toutes ces promesses en ma faveur. Il dit, ces promesses en Christ sont oui et amen. Et par conséquent, ces promesses sont à moi. Il dit, il nous a délivrés de la main de nos ennemis, afin que nous le servions sans crainte et en dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Alors, j'ai toutes ces promesses et je crois à toutes ces promesses. Voyez cela en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1, nous lisons ici le verset 20 ici. En 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je me promène et les promesses de Dieu m'accompagnent. Les promesses de Dieu m'accompagnent. Elles t'accompagnent. Et tu dis à tout le monde, et tu te dis à toi-même, en Actes des Apôtres, chapitre 27. En Actes des Apôtres, chapitre 27. C'est pourquoi, prenez courage, car je crois en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Dans ta vie, il en sera ainsi. Dans ta famille, il en sera ainsi. Dans notre église, il en sera ainsi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Premièrement, je suis tout ce qu'il dit que je suis. Deuxièmement, j'ai tout ce qu'il m'a donné. Troisièmement, je crois à toutes ses promesses pour moi. Quatrièmement, je reçois tout ce que je demande en prière. Je reçois tout ce que je demande en prière. Ça, c'est ma confession. Tu te réveilles le matin, tu dis gloire à Dieu. Oh, c'est un jour d'abondance. C'est un jour de provision. J'ai demandé au Seigneur et j'ai tout ce que je demande dans la prière. Je demande, j'ai tout ce que j'ai. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22. Et tout ce que vous demanderez en prière, par la foi, vous le recevrez. Je reçois tout ce que je demande en prière. Marc 11. Marc chapitre 11. Et je lis ici le verset 24. Marc 11, lisons le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. Jean, au chapitre 16, 24. Jean, chapitre 16, verset 24. Je reçois tout ce que je demande en prière. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie sera parfaite. Hébreux 10, Hébreux 10, Hébreux 10, verset 35 et 36. Hébreux 10, 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les récepteurs sont là ce matin. Ils sont là ce matin. Et vous êtes là, Dieu va le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Car cinquièmement, je me vois tel qu'il me voit. Je me vois tel qu'il me voit. Le diable n'a pas un portrait clair. Il a des yeux troubles.
Ses yeux sont troubles, endommagés. Et quand le diable te voit, il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. Quand il voit un Paul, il l'appelle Saul. Et quand il voit un nouveau David, il appelle l'ancien David. Il voit une nouvelle créature, il appelle l'ancienne créature. Il voit un saint, il appelle un pécheur. Il voit le juste, il appelle un juste. Le diable ne voit pas bien, mais seul Dieu peut bien voir. Et quand Dieu te regarde, me regarde, il y a quelque chose qu'il voit. Quand Dieu te regarde, il y a quelque chose qu'il voit. Et je me vois tel qu'il me voit. Voyez Jean chapitre 15. Jean 15. Et je lis ici le verset 3. Jean 15, 3. Je me vois tel qu'il me voit. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Même les théologiens ne voient pas Pierre comme tel que Christ l'a vu. Même les théologiens ne voient pas les disciples tel que Christ les a vus. Mais il dit, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Et le même nutriment, le même type de vitalité qui circule dans le tronc, c'est ce qui passe dans les troncs, dans les sarments, dans les branches. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Il me voit tel comme un ami, pas comme un ennemi, pas comme un rétrograde. Et tu te vois tel que Christ te voit. Chapitre 17, 14. Chapitre 17, 14. Dieu me voit tel qu'il me voit. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est comme ça Jésus-Christ nous a vus. C'est comme ça Jésus-Christ nous voit. Je me vois tel qu'il me voit. Matthieu 11, 11. Matthieu 11, verset 11. Ça c'est si important. Ceci est si important. Vous devez vous voir tel qu'il vous voit. Matthieu 11, ça c'est le verset. Quel verset j'ai dit? Verset combien? Nous allons le lire ensemble. Matthieu 11, verset, préparez-vous. Matthieu 11, verset 11, préparez-vous. Matthieu 11, 11, préparez-vous. 1, 2, 3, allez-y. Amen. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est comme ça que Jésus-Christ me voit. C'est comme ça que Jésus-Christ me voit. Je me vois tel qu'il me voit. Sixièmement, je dis ce qu'il dit. Je dis ce qu'il dit. C'est tout. Je dis ce qu'il dit. Même les théologiens ont peur de dire ce qu'il a dit. Et les prédicateurs parfois ont peur de dire ce qu'il a dit. Mais quand vous réveillez le matin, qu'est-ce que Dieu dit me concernant? Et je dis ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit me concernant? Et je dis ce qu'il dit. Qu'est-ce que les anges disent me concernant? Et je dis ce qu'ils disent. Vous voyez, quand vous dites ce qu'il dit, vous verrez la victoire, vous aurez la victoire. Et vous avez déjà cette victoire au nom de Jésus. Je dis ce qu'il dit. Je dis ce qu'il dit. Voyons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 23. Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un. Et que le monde sache, écoutez ceci, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus-Christ dit, tu as aimé les croyants comme tu m'aimes. Alors vous dites ce qu'il dit. Merci Jésus, parce que tu as dit le Père m'aime et le Père t'aime. Merci Père, parce que tu m'aimes. Comme tu as aimé le Fils unique Jésus-Christ. Tu ne peux pas permettre à quelque chose en dehors de ce qui est écrit de venir sur Jésus-Christ. Alors, je sais que tu ne permettras à rien de venir sur moi en dehors de ce qui est écrit. Parce que je dis ce qu'il dit, il m'aime et comme il aime Jésus-Christ. Jean 20.
Jean 20, Jean chapitre 20, lisons le verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'ai dit ce qu'il dit. Et le Père a envoyé Jésus-Christ, il m'a aussi envoyé. Et le Père a envoyé Jésus-Christ, il t'a aussi envoyé. Il t'envoie. Et tu réussiras au nom de Jésus. Premièrement, je suis tout ce qu'il dit que je suis. Deuxièmement, j'ai tout ce qu'il m'a donné. Troisièmement, je crois à toutes ses promesses pour moi. Quatrièmement, je crois. Je reçois tout ce que je demande en prière. Cinquièmement, je me vois tel qu'il me tel que le Seigneur me voit. Sixièmement, je dis ce qu'il dit. Septièmement, je peux faire tout ce qu'il dit que je ferai. Je peux faire tout ce qu'il dit que je ferai. Je peux faire tout ce qu'il dit que je ferai. Il ne me dira rien de faire. Il me dira de faire quelque chose que je ne pourrai pas. Mais quand il m'appelle, il dit, voici ce que tu vas faire. Je peux faire. Je peux faire tout ce qu'il me dit de faire. Tout ce qu'il dit que je ferai. Nombre 13, nombre 13, nombre 13, verset 30. Pas d'impossibilité dans ta vie. J'ai dit plus d'impossibilité dans ta vie. Parce que je peux faire tout ce qu'il dit que je ferai. Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Montons en parlant du pays, nous y serons car j'y serai vainqueur. J'y serai vainqueur. Dis-le pour toi. J'y serai vainqueur. Maintenant, Philippiens, Philippiens 4. Philippiens 4, Philippiens 4. Verset 13. Ce verset 13, Philippiens 4. Ça, c'est un fait. C'est une déclaration de l'Éternel par l'Esprit du Seigneur lui-même. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, 13. Regardez ceci, verset 13. Que tout le monde, 1, 2, 3, allez-y. Une fois encore, 1, 2. Annuler, je ne peux plus de ta vie. Je puis. J'ai dit je puis. J'ai dit je puis. J'ai dit je puis. Et je, moi, je puis, moi, je puis. Je peux faire, je peux faire. Je peux faire. Je peux faire. Tout ce, tout par Christ qui me fortifie. Il va te fortifier pour faire toutes choses au nom de Jésus. Le Seigneur t'a élevé. Et tu es assis dans le céleste avec Christ, Jésus-Christ. Et il dit, pour cela, va et réussis. Va et tu vas avoir la promotion. Va, il n'y aura plus de manquement, il n'y aura plus de peine, il n'y aura pas de limitation. Maintenant, nous pouvons faire toutes choses par Christ qui nous fortifie. Et c'est ainsi au nom de Jésus. Lève-toi, affirme dans ta vie. Affirme-le dans ta vie. Confirme-le dans ta vie. Confirme-le dans ta vie. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. Déclare chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je suis ce qu'il dit que je suis. Il m'appelle ami, je le suis. Il m'appelle disciple, je le suis. Il m'appelle croyant, je le suis. Il m'appelle vainqueur, je le suis. Il m'appelle soldat de la croix, je le suis. Il m'appelle temple, je le suis. Il m'appelle veuve et lui, je le suis. Il m'appelle épouse, je le suis. Je le suis. Je suis ce qu'il dit que je suis. J'ai tout ce qu'il m'a donné. Il m'a donné la puissance. C'est ce que j'ai. Il m'a donné la clé. C'est ce que j'ai. Il m'a donné la promesse. Ce sont les choses que j'ai. Il m'a donné le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai. Il m'a donné le Consolateur. C'est ce que j'ai. Il m'a donné la sagesse. C'est ce que j'ai. Il m'a donné la vie éternelle, c'est ce que j'ai. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Ne me dis pas que tu n'as rien. Il t'a donné le salut. Tu
as quelque chose. Il t'a donné la sainteté, tu as quelque chose. Il t'a donné la puissance, tu as quelque chose. Il t'a donné l'autorité, tu as quelque chose. Il t'a donné la clé du royaume, tu as quelque chose. Ouvre cette porte, tu as la clé dans ta main. La clé dans ta bouche. La parole, le puissant, la parole de Dieu. Ouvre cette porte. Il t'a donné quelque chose. Il t'a donné le Saint-Esprit, la puissance. Le feu du Saint-Esprit. L'audace du Saint-Esprit. Il t'a donné. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. J'ai ce qu'il m'a donné. J'ai ce qu'il m'a donné. Ensuite, je crois à toutes ces promesses pour moi. Je crois à toutes ces promesses en ma faveur. Je te donne la vie éternelle. Et il ne périra pas. J'ai ces promesses qu'il m'a données. J'ai la sainteté, il me l'a donnée. J'ai la guérison, il me l'a donnée. J'ai la liberté, il me l'a donnée. J'ai la porte ouverte, il me l'a donnée. J'ai les opportunités, il me l'a donnée. Et je crois. Toutes ces promesses pour moi. Je reçois. Je reçois. Ce que je demande dans la prière. Depuis que tu es venu, hier nuit, tu as demandé les choses dans la nuit. Je reçois, je reçois, je reçois. Tout ce que je demande en prière. Ne dis jamais à personne que je n'ai rien. Non, tu l'as eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Satan peut ne pas le voir. J'ai une vue différente de Satan. Les personnes peuvent ne pas voir, mais j'ai une vue différente de mes voisins. Les amis peuvent ne pas voir. J'ai une vue différente des autres. Je vois, je vois, je vois. Je reçois tout ce que je demande en prière. Je me vois tel qu'il me voit. Je me vois tel qu'il me voit. Je ne me vois pas comme Goliath me voit. Je ne me vois pas tel que Balak me voit. Je ne me vois pas tel que Pharaon me voit. Je ne me vois pas tel que les magiciens me voient. Ils n'ont pas les yeux en forme, mais je me vois tel que le Dieu Tout-Puissant me voit. Je dis ce qu'il dit. Il m'aime autant qu'il aime Jésus-Christ, son fils unique. Je dis ce qu'il dit. Et je peux faire, je peux faire, je peux faire tout ce qu'il dit que je ferai. Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Allons, montons en parlant du pays, car nous y serons vainqueurs. Allons, montons, possédons. Possédez. Au nom de Jésus, nous prions. Peuple de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Répétez ceci après moi. Je suis ce qui dit que je suis. J'ai tout ce qu'il m'a donné. Je crois à toutes ses promesses pour moi. Je reçois tout ce que je demande en prière. Je me vois tel qu'il me voit. Je dis ce qu'il dit. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie toutes choses par Christ qui me fortifie. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Je ne suis plus faible. Je vais réussir. Je serai la tête. Je vais vaincre. Je possède toutes choses. Est-ce que tu le possèdes? J'ai dit, est-ce que tu le possèdes? Lève-moi pour le nom de Jésus. Nous te remercions parce que la victoire est à nous. Nous sommes sur la route du roi et nous allons pour l'avenir glorieux. Et chacun de nous, nous allons atteindre ce lieu au nom de Jésus. Tes promesses, chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille sera la tête et non la queue. Seigneur, nous acceptons cela. Seigneur, nous recevons cela. Seigneur, nous possédons cela. Et
merveilles, nous allons l'expérimenter au nom de Jésus. Tu nous as rassuré qu'il n'y aura pas de manquement, qu'il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de limitation. Il y aura une restauration complète pour chacun au nom de Jésus. Les bénédictions dans la journée, bénédictions dans la nuit, la personne dans l'église, la personne au service, l'abondance et la suffisance, l'abondance partout au nom de Jésus. Le salut, tu nous l'as donné. La sanctification, tu nous l'as donné. La puissance du Saint-Esprit, tu nous l'as donné. Seigneur, nous recevons. Seigneur, nous possédons. Et ils agiront puissamment dans nos vies au nom de Jésus. Par ta maîtrise, nous sommes guéris. Par ta maîtrise, nous sommes guéris. Par ta maîtrise, nous sommes guéris. Par ta, nous sommes délivrés. Aucune puissance ne pourrait opprimer quelqu'un parmi nous au nom de Jésus. Seigneur, l'abondance du ciel viendra dans chacune de nos vies au nom de Jésus. De ce jour, bénédiction. À part de ce jour, passé. À part de ce jour, succès. À part de ce jour, sécurité. À part de ce jour, tous les désirs de nos cœurs sont accomplis au nom de Jésus. Joie et sourire. Allégresse et bonheur. Multiplie dans chaque vie au nom de Jésus. Je prie que chacun de tes enfants hérite toutes les promesses que tu nous donnes. Nous te remercions parce que tu as exaucé. Nous savons que tu l'as fait. Nous savons que tu as exaucé. Il y a une affirmation, une confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.